Le deuxième rapport économique du Gabon, Yearbook, réalisé par les agents de l'Agence nationale de promotion des investissements, tient sur un peu plus de 150 pages. Préfacé par le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, c'est un outil d'aide à la décision aux investisseurs et aux acteurs économiques et sociaux. Cette édition est ponctuée par de nombreux témoignages de ce qui se fait au pays, des acteurs qui sont déjà en train de œuvrer et qui montrent que le Gabon est un pays où ils opèrent, ils développent des affaires, ils créent de la valeur en toute quiétude. Ces témoignages des acteurs installés localement sont le meilleur, on va dire, c'est la meilleure manière justement de s'assurer qu'un pays attire du monde. Basé sur les acquis de la stratégie, Yearbook Gabon est une invite à la mise en valeur des secteurs dans les projets et programmes à l'horizon 2025. Voilà un peu en synthèse le fond de ce rapport, qui est un rapport annuel, qui évidemment pour l'année prochaine, les travaux ont commencé à être mis en route, de sorte que ceux qui vont voir les performances de cette année verront également l'année prochaine comment ça s'est consolidé ces performances. Et permettez-moi, monsieur le ministre, de prendre cet instant de nouveau pour, comme vous l'avez fait. De par ses atouts, le Gabon a l'ambition de se positionner comme le premier hub financier ou centre financier de la sous-région d'Afrique centrale. Et pour accompagner la réalisation des projets stratégiques, le gouvernement gabonais s'appuie fortement sur le partenariat public-privé. Ce magazine économique à rayonnement national sera bientôt disponible auprès des représentations diplomatiques et administratives.